partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit fière de mon. Sacha Pichon, on va l'appeler John Statham ce soir. Haha, tu prends une semaine, poto. Ça va les amis? Non, mettez-lui pas une semaine, les modérateurs, pitié. Nismo, tu l'as vraiment mis une semaine. Espèce de gros tyran de merde, Nismo. Ça va les amigos? Non mais Nismo, je vous jure que Nismo, c'est plus un tyran que Arki. Heureusement que Nismo n'a pas les pouvoirs de Arki. Sinon, poto, vous seriez tous morts. Oui, regardez, c'est ça que je vous disais, mais il en manque encore. Normalement, je vais en avoir trois. Oh putain, il y a la lumière qui reflète, mais vous voyez, je vais mettre plein de 4 comme ça. Mais limite, un peu trop petit, alors qu'on a pris le plus grand, je crois, poto. Et en gros, je pense, soit sur le mur là-bas, soit sur le mur là, je sais pas encore. Je vais les accrocher. Les reflets, c'est pas chiant. Oh non, en vrai, si je le ramène pas, c'est pas grave. Pas mal les pieds. Arrêtez, s'il vous plaît. Sinon, t'as vu, putain. En fait, le problème, c'est que vous allez. Bon, écoutez, je vous la vérité, vous allez souvent aller voir mes pieds. Regardez pourquoi. Parce que moi, j'aime pas avoir des chaussettes. Oh, attends, mais j'ai pas acheté de shampoing violet. Attends, d'abord, je finis mon histoire parce que je finis jamais mes histoires. C'est bon, j'en ai marre. Parce que j'aime pas avoir des chaussettes. Et en même temps je rentre quand je suis ici. Y'a pas de chaussures qui rentrent sur la moquette, tu vois. Donc du coup bah vu que j'enlève mes chaussettes à chaque fois je vais être pieds nus comme ça. Voilà, au moins j'ai fini mon histoire. JL Tommy à tour de contrôle, est-ce que vous me recevez? JL Tommy à tour de contrôle, est-ce que vous me recevez? Tour de contrôle, je vous reçois. Et vous êtes Thibaut. JL Tommy pour tour de contrôle, j'aimerais savoir si le shampoing violet a été acheté. Je répète, je voudrais savoir si le shampoing violet a été acheté. Je crois qu'elle a pas révisé la tour de contrôle, hein. JL Tommy à tour de contrôle, est-ce qu'on pourrait avoir une réponse? JL Tommy à tour de contrôle, je vais lever mon gros cul et commencer à faire du boucan dans les locaux si je n'ai pas de réponse. J'en ai marre, frère. Oh, écoutez les gars, j'ai littéralement vu Thibaut dans le canapé comme ça. Il est en train de regarder Zen là. Il était comme ça dans le canapé. Je lui dis, pourquoi tu me réponds plus? Il m'a dit, c'est pas moi la tour de contrôle. Je dis, mais alors, réponds-moi. Il m'a dit, ah non, moi tu m'as dit, c'est pas moi la tour de contrôle, je réponds plus. JL Tommy à Cuisto, est-ce que vous me recevez? Sur 5. Non mais c'est trop une dinguerie. Qu'est-ce que vous voulez comme nom de code? Cuisto Dingo. Cuisto Dingo. Cuisto Dingo. Bien reçu, 10-4. Cuisto Dingo. En plus, c'est sorti grave vite. Ça se voit, ça traînait dans sa tête déjà depuis un bail, Cuisto Dingo. Attends, Cuisto Dingo, y'a quoi à manger ce soir? Tu as soit un magret de canard avec une purée de patates douces et des abricots rôtis, ou alors tu as du cabillaud cuit en papillote avec du citron, une sauce citronnée basilic et une fondue de poireau à l'huile de noisette. C'est quoi du cabillaud? C'est un poisson blanc qu'on pêche souvent dans l'Atlantique, dans les eaux froides. Envoie le magret de canard. Ah, c'était sûr. Je veux dire, JL Tommy à Cuisto Dingo, vous pouvez envoyer le magret de canard. Envoie le magret de canard. Faut que tu dises 10-4 et terminé. Commence par 10-4. En gros, tu dis 10-4 pour dire compris et tu dis terminé quand t'as terminé. Par le magret de canard, 10-4 terminé. Non, il faut que tu dises 10-4 à la place de dire ok par exemple. Faut pas que tu dises 10-4 pour rien. Ah. Genre par exemple, je te dis Thibaut, envoie le magret de canard, tu me réponds 10-4. Ok, ça marche. Non, pas ok, ça marche, 10-4. Pardon, excuse-moi. Thibaut, envoie le magret de canard. 10-4. Parfait, terminé. Je vous souhaite tous d'avoir un Thibaut dans votre vie, les amis. Je vous jure. Ça va, vous? Il a pas dit terminé? Non, mais je pense qu'il va dire terminé quand il aura. Ouais, je sais pas, frère. Il apprendra avec le temps. Ça va, nous? Vous allez bien? Moi, je vais bien. J'ai bien dormi. Je me suis bien réveillé. Je suis bien allé au loco. J'ai fait une game de Valorant. J'ai perdu. Voilà. Et me voilà devant vous. Ma journée est nulle. Je devais aller acheter du goût. D'ailleurs, les amis, regardez ce qu'il me reste là. Il me reste plus grand chose. Je sais pas si vous le voyez. Non, je pense que vous allez pas le voir. Attends. Bref, il me reste plus grand chose en termes de goût. Et je vais passer à 3 de nicotine, les amis. J'étais à 6. Et maintenant, je vais descendre. Oh, Joke, il date, Joke, sa mère. Enfin, Ateyaba. Oui, j'ai vu TikTok et Twitter étaient en feu parce que j'ai carkill des gens. Big Débile 23, les gens, ils ont eu le boule au ventre à cause de GTRP. Non, il faut que vous détendiez votre cœur. Parce que premièrement, en plus, ça sert à rien de me cyber harceler pour ça. Parce que, en vrai de vrai, oui, c'est vrai. Si un autre joueur l'avait fait, je l'aurais peut-être banni. Cet autre joueur, il avait qu'à monter son serveur lui-même. C'est vrai. Non, mais c'est réel. Peut-être que je l'aurais ban. Par contre, je le referai plus. Non, en vrai de vrai, je le referai plus. Parce que c'est vrai que j'ai abusé. Attention, c'est pas parce que je fais ce que je veux sur mon serveur que j'ai pas abusé. C'est vrai, j'ai abusé. En fait, j'étais trop fatigué. Les gars. Non mais vous me connaissez quand je me réveille de ma sieste, j'ai fait 2 heures de sieste, c'est tout en termes de sommeil, tu vois. Non mais c'est vrai, j'ai revu le clip en fin de stream vers 5h du match, j'ai revu le clip. J'ai dit ah ouais ça mère, attendez je vous le montre pour ceux qui l'ont pas vu. Non franchement, mais en fait il faut pas que je joue à GTA quand j'ai pas bien dormi. Il faut que je joue à GTA quand j'ai tout mon sommeil qui est à son prime, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, par contre c'est vrai qu'ils m'ont pas tiré dessus du coup. Vous vous rappelez, on parlait avec B-Boy. Montez. On parlait avec B-Boy et moi j'étais sûr qu'il m'avait tiré dessus. Moi j'allais tirer moi. Mais non. Ils ont pris la voiture, attention à vous.
Ok, dans mon livre, celui-là, les chips des forces, ils allaient me tirer dessus. Mais faut pas le faire, Dans mon livre, lui, il est légitime. Poto, je suis en voiture, j'arrive à fond sur lui, il ouvre le feu sur moi, je me défends. Baissez-vous. Évidemment. Mais le problème... Pour moi, le problème, c'est surtout lui. Oh merde. Non, lui, je pouvais l'éviter. Lui, je vous dis la vérité, lui, je pouvais l'éviter. Voilà, je me suis dit perdu pour perdu. Non, c'est pas bien, faut pas le faire, mais lui je pouvais vraiment... Oh merde. Lui je pouvais l'éviter, franchement. Oh merde. Franchement, j'avais l'espace de passer ici. Je pouvais passer ici, c'est vrai. Oh merde. Non, là je fais pas d'effort. Mais en fait, là t'as vu, on le regarde, c'est facile, on le décortique, ça va doucement, mais en vrai ça va super vite dans ma tête, je pense à survivre, tu vois. Mais faut pas le faire, si vous êtes whitelist sur Flashback, ne le faites pas, hein. Ne le faites pas, franchement ne le faites pas. Moi je le referai plus. J'étais trop fatigué. Et vous le savez, quand je suis fatigué, je suis pas moi-même. Bon, ça va, y'a pire. Donc sur les autres serveurs, on peut. Non, mais sur les autres serveurs, faites ce que vous voulez sur les autres serveurs. Bah, en tout cas, pas sur le mien. Sinon, après, moi je vais vous ban. Parce que oui, évidemment, si vous faites ça sur le serveur, vous serez banni. Moi je peux pas me faire bannir. Je peux pas me faire bannir de mon propre serveur. Mais Aenot m'a grondé. Je vous jure, c'est réel. Aenot il m'a grondé. Il m'a dit, tu te rappelles d'hier? Parce que lui, il me connaît, lui. Lui, il sait comment je suis. Il m'a dit, mais tu te rappelles d'hier? Je lui ai dit de quoi tu parles. Il m'a dit, ben, 3/4 kill et tout. J'ai fait, ah oui, putain. Il m'a dit, bon, écoute, Thomas, tu prends 10 minutes de ban. Il m'a dit, tu prends 10 minutes de ban, là, t'es ban de 20h à 20h10, parce qu'il était 20h quand on en a parlé. J'ai dit, bon, ok. Ah non, mais il est sévère, Aenot, hein. Il m'a time out. Toi, il y a un mec, il a fait un ticket, il a demandé à te ban. Non, poto. Personne n'a fait de ticket. J'ai même reparlé avec Twincy après. Parce que moi, en fait, aussi, j'en ai vu, il y avait certains d'entre vous, et là, c'est vous que je vais gronder. Moi, j'ai fait mon auto-analyse, tu vois, mais là, c'est vous que je vais gronder. Les gars, Twincy, c'est pas un random, tu vois. C'est pas un random, ça fait 1000 ans qu'il est sur le serveur. Il a toujours été super droit, ça a toujours été un bon. Il y a des trous de balles qui sont partis l'insulter. Encore une fois, je sais que je parle pour rien parce que là les matrixiers ils sont pas là, tu vois. Mais vous êtes des trous de balles. Vous êtes des trous de balles. On peut très bien avoir un groupe sur qui son groupe et mon groupe ne s'entendent pas ou sur lequel on va même ne pas être du tout sur la même longueur d'onde et tout. Ça veut pas dire qu'il faut être méchant avec lui. Ça veut pas dire qu'il faut l'insulter. Ça veut pas dire qu'il faut que vous soyez des trous de balles. Que ce soit Twincy ou le reste de leur groupe, hein, de tous les membres en fait, tu vois. Si jamais on avait un problème avec quelqu'un, les gars, on est plus sur Flashland 2020. Ou dès qu'il y avait un problème, il fallait qu'on aille voir Fares et Loli pour leur demander de ban des gens et tout. Les gars, si jamais on a des problèmes avec des joueurs, je vous jure, c'est très rapide de les enlever, très rapide de les wipe et de les unwhitelist, tu vois. Donc c'est pas la peine d'aller casser les couilles aux gens, c'est notre dos. Si jamais un jour, demain, tel ou tel joueur il abuse, eh ben on prendra les dispositions, tu vois. Mais là, c'était pas nécessaire. Et certains d'entre vous ont été des belles merdes. Et je vais même vous dire, GG à l'équipe de modération de Twincy parce qu'ils vous ont, ils ont sauvé la vie de plein de gens. Parce que je suis allé voir la redis de Twincy au moment où il y avait la scène pour ban perm les gens dans le chat qui l'insultaient, et en fait je me suis rendu compte que quand on se fait ban dans le chat, on apparaît pas dans la rediff, tu vois. Donc du coup les modérateurs de Twincy, ils ont sauvé la vie de plein de gens, parce que sinon j'allais vous ban perdre de chez moi. D'ailleurs Aenot vient de leak les prochaines mises à jour du serveur. Poto, il fait ce qu'il veut, c'est son serveur aussi, hein. Moi frère Aenot, poto, fais ta vie, fais ta best life, poto. Voilà, on n'est plus rien à foutre. Moi maintenant, je suis devenu un joueur. Maintenant, moi, je joue, mon frère. Mais bref, ne vous énervez pas pour GTRP, c'est ridicule. Franchement, vous allez dans 2 ans, vous allez prendre du recul, vous allez vous dire putain, j'avais une boule au ventre à cause de GTRP. Vous allez vous trouver ridicule, franchement. Que ça soit pour aller insulter Twincy ou n'importe qui du serveur, même des fois il y en a, ils m'insultent moi, tu vois. Mais franchement, vous êtes un peu con. Je pense qu'il y a des causes beaucoup plus nobles à défendre que GTRP. Ça va, Mora? Tu vas bien? Ça va, mon frère. Bah super. My brother from another mother. Non. Your mother is my mother, Mora. You can trust me. Quoi? Your mother is my mother. Your mother, I swear, it's like my mother, I love her so much. Ah ouais? Et toc, je viens de te counterplay en DM Discord. Non, je peux ouvrir Google Traduction quand même, les gars. Les gars, non, arrêtez. Et vous savez que je suis bon en anglais, hein? Enfin, je pense. En fait, juste, j'ai pas d'accent. Moi, j'ai juste pas d'accent, but I have all the words. I know all the words and I can be understood by everyone. But my accent is very bad. But when I was to Los Angeles, I can speak with everyone. I can tell them what I want to have, what I want to do, what I want to know. It's a little bit difficult because sometimes my accent is so bad, so they don't understand very good. But I have all the words, all the simple words, if you know what I mean. Alors les bilingues, vous avez compris? Est-ce que les bilingues, vous avez pas compris tout ce que j'ai dit? Et en plus, je vais vous dire un truc. Je l'ai déjà dit, je le répète, oui, je radote. Au States, quand j'essayais de prendre l'accent, les gens ils comprenaient que dalle. Et quand je parlais avec l'accent français, eh ben les gens ils comprenaient bien. Si vous allez dans un pays anglophone, essayez pas de trahir de l'accent. À moins que vous ayez vraiment un accent trop bien, parlez avec votre accent français, ils vont comprendre. Je vous jure,
c'est vrai. Hein, et Mora est en train de contester la date de naissance de Madarone. Je le jure, ce mec est fou. Mora, il est en train de contester l'année de naissance de Madarone, poto. Non, parce que je lui ai dit, en fait, il m'a dit, je lui ai dit ta mère c'est ma mère, et il m'a dit ta mère c'est ma mère. Du coup, je lui ai dit ah ouais. Et du coup, je lui ai posé des questions sur ma mère, et il a pas les réponses. T'avais combien de moyens en anglais? Je crois qu'au bac, j'ai eu 13. Au bac, j'ai eu 13, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu 13. Parce que vous vous rappelez, pour ceux qui ont passé le bac en même temps que moi, un bac pro, il y avait genre 3 ou 5 sujets, et t'en tombé sur un random. Vous en rappelez? Et il se trouve que sur les 3 sujets que j'avais préparé, en vrai, j'en avais préparé qu'un seul. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur le sujet que j'avais préparé pour de vrai. En gros, j'ai all-in un truc. Je crois que j'avais fait mon oral, je l'avais fait sur 50 Cent. Parce qu'il fallait faire genre un truc de chaque catégorie. Et genre, moi, je crois que j'avais fait sur un footballeur, un rappeur et un acteur, je crois. C'était pas un truc comme ça? Ça vous dit quelque chose, cette histoire ou pas? Ouais. Eh ben, j'avais bossé sur 50 Cent. Ou un rappeur, je sais plus c'était qui. Et au final, j'étais tombé sur lui. Donc, du coup, j'ai réussi à avoir un 13. Après, j'étais bien plus faible à l'époque du bac que maintenant. Hein. Puisque à l'époque du bac, j'étais pas encore un gamer. Et moi, c'est vraiment les jeux vidéo qui m'ont fait devenir fort. Par contre, je rêve ou j'ai un poil blanc dans la barbe là? Depuis tout à l'heure, il me stresse là. Je sais pas si c'est la lumière. Non, c'est la lumière. Non, c'est la lumière. Tu vieillis. Après, ça va, je suis pas trop touché par les white hair. Moi, c'est plus au niveau de là que je vieillis. Et je pense que je vieillis au niveau des yeux aussi. Putain, j'ai pas de rides, hein. Comment ça se fait que je fasse vieux alors qu'en vrai, j'ai pas de rides? T'as vu? C'est mes cernes en fait. C'est vraiment mes yeux. Regardez là, j'ai deux grosses poches, sa mère. Et je pense que à force, je vais avoir les cernes de Selim Brabus ici là. Parce que j'ai remarqué, ma mère, elle les a. Vous voyez, vous rappelez les cernes que je mettais à Selim Brabus? Les espèces de rides ici là. Au truc des yeux. Quoi, Mora? Pourquoi tu ris? Il est complètement quoi? Les pattes de. Attends, j'arrive Discord, Mora, parce que là, tu commences à me zarrer toi aussi là. Pourquoi il est mort de rire celui-là? JL Tommy à Cuisto Dingo, oui, vous pouvez livrer le repas. Pourquoi Mora? Pourquoi mon frère? Il était un matrixé de fou malade là. Mais pourquoi je suis un matrixé de fou de malade? Tes yeux à Selim Brabus. Mais non, mais parce que, genre poto, c'est plus facile pour eux de comprendre les rides de Selim Brabus que de comprendre pas de doigts. C'est réel, revue, mais est-ce que tu veux une stat effrayante? Retire tes godasses. Cuisto Dingo est là, les amis. Attends, mais montre à la cam, fais une représentation, poto, ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est? Maguette de canard. D'accord. Classique. De patates douces rôties au four avec des petits abricots caramélisés. T'as l'air immonde. Yes. C'est pas vrai. Merci mon frère. C'est quoi le dessert? Bah je sais ce que c'est, j'ai ouvert le frigo tout à l'heure. Oh putain, mais attends, mais j'ai ouvert le frigo tout à l'heure, j'ai vu c'était quoi? C'est une tarte au citron? Mais non, t'en as fait hier, c'est impossible, c'est une tarte au citron. Et putain, je l'ai vu et c'était une tarte et il y avait des trucs blancs dessus. C'est ça ou pas? À la vanille? Non. Chocolat blanc? Ouais. Oh, une tarte au chocolat blanc? Ouais, il y a quoi avec? Saison. Fruits de saison, c'est quoi des fruits de saison? Les fruits actuels qu'on mange beaucoup. Les fruits actuels, c'est quoi les fruits actuels qu'on mange beaucoup? Les bananes? Les fraises? Ah, c'est pareil. Les framboises? Ouais, encore. Les mûres? Non, un peu cher, mine de rien. Ça coûte un peu cher et c'est comme les fraises? Non, c'est pas comme les fraises, mais genre en mode c'est quand même très populaire, tu vois. C'est très populaire, mais c'est pas comme les fraises. Attends, faut pas que je dise le chat parce que je pense qu'eux ils l'ont. Lille chat, dis-moi si eux ils l'ont. Ouais, ils l'ont. Framboise, non. Ah, y'en a un. Oui. Ah merde, je croyais pas. J'en ai vu 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, okay, ils l'ont. Franchement, ils l'ont, ouais. C'est rouge? Ouais, c'est rouge. C'est pas des framboises, c'est pas des mûres, c'est pas des fraises. Pas des framboises. C'est hyper connu, tu vois. C'est hyper connu. Ouais, par en mode... Fraise, framboise, mûre. Attends, Mora. Un fruit rouge. Il y a une marque pas très connue quand même, enfin, celui quand même connu, qui a même le nom de ce fruit. Tagada. Non. Il n'existe pas, non. Une marque connue de quoi? Exactement, je me trompe pas. Ouais, c'est exactement. Nike? Non. Adidas, Celio. Non, genre en mode connu. Zara. Non, genre en mode. H&M. C'est une petite marque comme ça, je crois que j'aurais fait son train-train, quoi. Waze. On parle d'un fruit là, Thomas. Bah, pourtant, mais je sais pas. Je le connais ce fruit, t'es sûr que je le connais? Oui, Thomas, tout le monde le connaît. Il est rouge. Des mûres? Non. Attends, j'ai déjà dit des mûres. Ouais, vraiment, t'as cité 6 fruits depuis tout à l'heure. Il est rouge. Non, mais strafe là, mais attends, mais c'est impossible, je suis un gros con ou quoi? Voilà, je troll pas, Mora, si jamais. Voilà, je te jure, je troll pas là. Ouais, je sais. Je sais pas s'il le sait. Oui, c'est Yana, il l'ont. Donne-moi la première lettre. Je donne le slogan de la marque. Vas-y. Le temps des fruits. Le temps des... Abricots. Cerise. Oui. Cerise. Mais oui, les cerises. Mais ça n'a rien à voir avec une fraise, une cerise, poto. Bah non, mais... Tu m'as dit que c'est presque pareil qu'une fraise. Mais non, mais c'est pas presque pareil, c'est juste que les fraises, on les mange en été aussi. Mais tu m'as trop induit en erreur. J'ai dit des fraises, des mûres, des framboises, il m'a dit c'est presque pareil. Mais non, mais je veux dire, dans la saison, on en mange autant, tu vois, des cerises, c'est aussi famous que les fraises. Bah oui, non, mais... Non. tu l'avais dans mon rat? Non, j'ai lu le chat, moi. Instant. Ok, d'accord. Eh ben, chocolat blanc, cerise, ça doit être banger. Ouais. C'est des morceaux de cerise que t'as mis ou c'est genre des... J'ai fait un gel de cerise. Ouais, voilà, c'est un gel. Tant mieux. Et j'ai mis des cerises en morceaux sur le dessus. Il y en a d'autres si tu veux en mettre plus. Ok, masterclass. Merci, ouais. Thibaut. Merci, mon petit chaton. Et n'oublie jamais que t'es le meilleur, Thibaut. Merci, toi. Boum.
Boum. Ça va, Mora? Ça va et toi? Pourquoi t'étais venu déjà en vocal? On devait se dire quoi, toi et moi? Céline Brabus, CERN, tout ça. Mais est-ce que tu as une stat effrayante? Mm-hmm. Tu payes combien, Thibaut? Je sais pas si t'as le droit de leak. Ok, leak. Bah, si, j'ai le droit, maintenant tiens, je te dis en DM. Ok, et bah, imagine qu'un mec touche 10 000 euros par mois. Mm-hmm. Ok, elle est vraiment effrayante la stat. Hein. Ouais. 10 000 euros par mois depuis l'époque des pyramides. C'est bon, t'arrives à te situer? Mm-hmm. Ok. Si un mec touche 10 000 euros par mois depuis l'époque des pyramides jusqu'à maintenant, mm-hmm. il atteint à peine 6% de la fortune d'Elon Musk. Soit combien? Hein? Soit combien? Soit Elon Musk. Fortune 234 milliards. Oui, non, mais ça fait combien 6% de 234 milliards? Calculatrice, j'aurais pu le faire de tête, mais tu connais. Ouais. Putain, ça en fait des zéros. Hein. Ça fait 14 milliards 40 millions. C'est beaucoup quand même, Bodo. Mais ça... bah, c'est énorme. Ouais, évidemment que c'est... Mais t'as vu, 6% de Elon Musk, c'est 14 milliards, frère. D'ailleurs, j'ai le Tommy à Custo Dingo, tu me reçois. Petite information, mais normalement, à partir de mercredi ou jeudi, il y aura Kada, Rise et Recito au loco. Donc faudra prévoir 3 personnes en plus. Non, à partir de mercredi ou jeudi jusqu'à je sais pas trop quand. Ok, ok, c'est noté. 10-4. Tout ce que tu veux. Bien, terminé. Et toi, Mora, tu viens quand? Bah, à partir du... Bah, en vrai, là, c'est bientôt, hein. Les échéances arrivent, hein. No cap, hein. No cap, no cap. Genre, vraiment. Non, mais les mecs, je vais vraiment venir. Et vraiment. De toute façon, vous voulez que j'aille où? Dans les vacances. J'ai plus de chances ATM de revoir mon daron que de te voir toi au loco. Frère, arrête de dire ça. Et pourtant, ça fait un bail que je l'ai pas vu celui-là. Mais I swear by God, tu vois, on my mama eyes. Frère, je serai là courant juillet, août. Je pense que si j'ouvre la porte de mes locaux durant une infinité de fois, statistiquement, il y a plus souvent mon daron qui tombe que toi. Ouais, le boss, désolé. Dire bonjour à des gens. Aucun problème. T'as entendu ma stat quand même ou pas? C'est quoi ta stat? Oh, c'est Ice Cube Musical dans mes oreilles. C'est dit, si j'ouvre ma porte des locaux, ouais, une infinité de fois, il y a plus souvent de fois mon daron qui tombe que toi. T'es un cinglé monumental. Mais genre vraiment monumental. Genre je te jure. Et en fait, regarde. Tu vois, tous les moments où je suis pas venu, je vais te choquer le jour où je vais venir. En fait, ah bon, je serai tellement H24 omniprésent aux locaux que, frère, tu limite, tu vas me dire c'est quand Mora tu pars. Genre vraiment, je vais venir, je vais rester genre legit 3 semaines. Mais Zarma, la personne me fait confiance. Mais je vous jure que c'est. Mais les mecs, genre là, c'est quoi mon excuse? C'est les vacances. Genre, wesh. Va y en avoir une deuxième. Du coup. L'excuse. Non. Oh, oh. À part les aléas de la vie, je vois pas ce qui peut m'arrêter. Si. Moi, je l'avais arrivé à 8000. Me dis pas ça, frère. Aussi. Mais franchement, à part les aléas de la vie, y a... Si, y'en a une deuxième. Mais non, frère. Bah si. De quoi une deuxième? Il va me dire, non mais Thomas, I swear by God, je voulais trop venir. Mais là, faut que j'aille à Marseille pour passer un petit week-end avec ma petite meuf. Mais ça fait une semaine que j'ai pas vu, tu comprends, Thomas? Non. Poto. Y'a des choses qui passent avant, d'accord? Comme League of Legends, comme les locaux, comme plein de trucs. Non, ça, non, je serai là, frère. T'es fou ou quoi? Les gars, je vous pose une question. Une seule. Qui? Prête, frère. Qui se rappelle quand Mora avait une semaine de vacances et a passé sa semaine de vacances à La Rochelle pour on ne sait quelle raison? Qui se rappelle? Oh les menteurs, le nombre de mois, je suis choqué. Il vient d'inventer. Et vous dites tous, oh les menteurs, je suis choqué. Et même, je crois même qu'il y a une histoire de casino là-dedans. Je m'en rappelle aussi. Oui, je me rappelle, il y a une histoire de casino là-dedans. Oui, il y en a une. Mais... Ah! Frère! Ah! Les masques tombent! Mais c'est un malade mental. Ok, déjà, je vais débunk petit à petit. Déjà, c'était quand ça? Il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, je sais pas. Ah, mais c'est les vacances d'été. T'es un fou quoi. Mais non. Juste, je réfléchis s'il y a. Comment ça, non? Comment ça, non? Mais c'était les vacances d'été. Non, c'était pas aussi vieux, poto. Mais écoute-moi bien. Voilà! Hein. Vraiment, par Dieu, hein! Que c'est minimum vacances d'été. Minimum! Mm-hmm. Parce que toutes mes vacances que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est simple, j'en ai pas eu. Est-ce que c'est bon? J'ai pas eu de vacances depuis que je suis dans cette licence, d'accord? Donc je ne pouvais pas être à La Rochelle ou nulle part. Donc c'est soit vacances été, soit vacances février de 2022. Je pense que c'est février. Ok. Bon, ah, nouvelle fois, apparemment il y a Cannes aussi, mais donc il rentre dans l'équation. Et les mecs, Cannes c'était été 2020. Allez, moi je crois vraiment que c'était au mois de février, poto, hein, le casino. Ouais, mais le casino déjà. Tu me dis le casino comme si j'avais joué au blackjack. Je suis rentré au casino, le mec il m'a dit. Non mais. C'est pas les gens avec des shorts. Je suis sorti. Non mais en gros, moi c'est parce que c'est ça que je me rappelle, tu vois. Non mais bref, on verra bien, les gars, venons lui faire confiance. Il a dit qu'on est que feu. Il a dit on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Mais c'est réel parce que les gars, c'est l'avenir qui décide. Les gars, moi je vais vous dire. On lui a fait confiance l'été dernier, il nous a déçus. J'étais là. On lui a fait confiance. Au mois de février pendant ses vacances, il nous a déçus. Faisons-lui confiance pour cet été, les gars. Il faut qu'on fasse confiance. Mais il parle de 2022, c'est un malade. Février 2022. Non, février 2023, poteau. Février 2023, j'ai pas eu de vacances. Mais t'as pas la séquence des dernières vacances alors? Mais les dernières vacances datent de la JL House, frère. C'est impossible, c'est impossible. T'as pas le droit, t'as pas. De décembre 2022. Ok, j'avais pas encore les locaux en décembre 2022. C'est bon, je te crois. Et la première fois que je suis venu aux locaux, c'était justement pendant les décembre 2022. C'était pour l'occasion du nouvel an. Oui, je me rappelle. On a fait un loup-garou, il y avait l'élite. Exactement. Oui, je me rappelle. Pourquoi tu précises les deux? Yeah.
Bah, je sais pas, frère, parce qu'au loup-garou, c'était loup, les deux, ça va, je me rappelle. Ah, ok. Non, attendez, attendez, voilà, je désamorce. Voilà, je désamorce, parce que les gens, ils vont croire que Zarma, il y a le privé de joke et que Lilith et Tonton Gassine, ils se sont pécho ou quoi. Voilà, je crois pas. En fait, j'ai pas envie de dire. Attends. Non, parce que je veux pas jurer qu'il s'est rien passé, parce que imagine, frère, Zarma, ils ont trop été malins les deux et il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais voilà, je suis intimement persuadé qu'il ne s'est rien passé du tout entre Lilith et Tonton Gassine. Oui, en plus, il est marié dans Starfall, on rigole pas avec ça. Non, on rigole pas avec ça. Tu rigoles pas, moi, j'ai rien à dire. Non, mais en gros, je parle au viewer. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais oui, je me rappelle. Je me rappelle du nouvel an. C'était pas là où. Non, j'avais pas streamé au nouvel an, non ? Si, t'avais stream. J'avais stream. Le loup-garou. Loup-garou, c'était en stream. C'était au nouvel an ? Bah oui. Ok. Il y avait même le fils de Hama. Ah, c'était au nouvel an. Ok, d'accord. J'ai cru que c'était une autre case. Ok, ça marche. Il y avait même des bouteilles de vodka sur ton bureau, vu que tu bois hors stream. Bon, après ça c'est un autre débat. Poto, tu crois que je fais comment pour tenir le coup avec ces viewers là, sérieux? Faut bien, il me faut bien la gourde du brave, Poto, hein. C'est trop une singerie. Je rebondis sur quelque chose, je sais pas. Bah je sais pas, Poto, tu veux, je sais pas, tu m'envoies sur un terrain, je te follow sur ton terrain, après tu me dis rebondis, Poto. Damn. Non, évidemment, je ne bois pas. Même si je buvais, ça serait mon dos. Mais je ne bois pas, et ne buvez pas. Et voilà, je bois pas. Et voilà, je vous souhaite de ne jamais boire. Ne buvez pas. Et on parle. Attendez. Et on parle. Enfin, oui, boire de l'alcool, évidemment. Je bois de l'eau. Je bois de l'oasis tropicale. Voilà, je bois plein de trucs. Mais. Et je vous parle absolument, même hors religion. Même si jamais vous croyez pas en Dieu, même si vous êtes athée, vous pouvez être ce que vous voulez. Ne buvez pas d'alcool, c'est de la merde. Je parle pour votre santé. Je parle pour votre psychologie. Je sais pas, pour tout plein de trucs, quoi. Il y a mille raisons qui font de ne pas boire. Ou alors, si jamais vraiment vous en avez rien à foutre, buvez, mais raisonnablement. Ne conduisez pas quand vous êtes ivre. Ne faites pas n'importe quoi, quoi. Soyez raisonnable. Évidemment, si jamais c'est votre plaisir de vous boire un petit ricard et de faire l'apéro, tu vois, genre chacun ses coutumes. Grand bien vous fasse, mais n'abusez pas, quoi. Vous venez pas Raptor Standa tous les week-ends, des bouteilles de vodka dans la gueule. On titube, on prend le volant et après on suit sur la route et on tue des gens. Depuis petit, on brasse, il faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.